mademoiselle Alice. Merci, Jean. À ce soir. Attends, faut que je te montre quelque chose. J'ai pas le temps, faut que j'y aille. Mademoiselle Alice peut bien attendre. Regarde ce que j'ai. C'est quoi? Nos billets pour New York. Déjà, je n'ai pas encore parlé à mademoiselle Alice. Ça fait 2 semaines que tu dois lui en parler. Je sais. J'y arrive pas. J'ai peur de lui faire de la peine. Ça fait 15 ans que... Rose, regarde-moi. Tu veux rester une bonne toute ta vie? Non. Non. Je dois y aller. Je dois aller chercher le vieux. À son club, on se voit ce soir? Ouais. Et? Je lui en parle promis. Je m'entends. Bienvenue au bazar de la charité. Pour effectuer vos achats, n'oubliez pas d'acheter sur tout le monde qui se trouve dans le bazar qui se trouve en face de l'entrée. Pour vous divertir, vous trouverez dans les boîtes du bazar un orchestre que vous pourrez récompenser de vos dons généreux qui seront entièrement reversés aux jeunes aveugles d'Auteuil. Dans l'aile gauche, vous trouverez au milieu des échanges Lucien, le fameux magicien, et en exclusivité le cinématographe. Rose, qu'est-ce que tu fabriquais? Rien. Menteuse. Je vous ai vu avec Jean, vous vous êtes embrassé devant tout le monde. Ah, c'est vrai. Et parfois, quand on aime, on a du mal à se retenir. Vous vivez pas ça avec votre amoureux? Si? Vous inquiétez pas, vous connaîtrez ça un jour. Faudra juste oser vous rapprocher un petit peu. Mais faites attention, enfin! Non mais calmez-vous, c'est vous qui m'êtes rentré dedans, là. Puis ça va, vous avez rien. Et vous pourriez vous excuser? Excuser de quoi? De travailler? Bah alors excusez-moi de travailler. Vous savez ce que c'est, ça, le travail, ou pas? Pensez en tout cas à être un peu plus vigilante la prochaine fois. Vous avez égaré ça. Au plaisir, Votre Altesse. Au plaisir, Votre Altesse. Mais quel goujat, celui-là. Achetez à jouer! Achetez à jouer! Les Français ont le bon canon! Les Allemands n'ont qu'à bien se tenir! Achetez à jouer! Achetez à jouer! Petit, viens. Tu garderas la monnaie? Bien, madame. Je comprends vraiment pas ce qui te plaît dans ce torchon. Justement tout ce que tu détestes.